Ils sont arrivés de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, pour les uns et pour les autres de l'extérieur du pays. Tous mus par la même motivation, vivre Bédiélou. Bédiélou, c'est la fête d'Igname à Ara. Bédiélou, c'est la revalorisation de nos coutumes et de nos traditions. C'est le moment où les populations d'Ara consomment officiellement la nouvelle igname pour marquer l'entrée dans la nouvelle année. En Amérique, ils aiment la royauté aussi, mais ils ne connaissent vraiment pas l'origine et la base. Donc, j'ai pris beaucoup de photos que je vais aller montrer à mes patrons blancs et puis à certaines communautés dans lesquelles j'habite. La célébration de l'igname est une tradition à Ara, comme dans toute la tribu Ayua dont Ara est le siège. Aujourd'hui encore, la tradition est respectée et avec Bédiélou, traduisez le temps de consommer l'igname en langagni, la célébration de ce tubercule est devenue une véritable institution, fête même. Si pour les filles et fils d'Ara, Bédiélou illustre leur entière disponibilité à répondre à l'appel de Nanan Teyua II, chef de la tribu Ayua, l'attachement à leur culture et l'amour de leur terre natale, l'événement revêt un enjeu de haute portée sociale à Ara. Ici, les valeurs d'amour, de fraternité et de partage sont réaffirmées. Hommes, femmes, enfants, personne ne s'y soustrait au cours de ce grand moment de retrouvailles et de communion. Ils sont venus là payer la viande pour vraiment honorer et satisfaire la famille, distribuer à qui de droit. On sait à tout le monde, c'est un sacrifice dont tout le monde doit manger. Pour l'engouement et l'intérêt qu'il suscite, Bédiélou veut se muer en festival. Un festival de promotion des valeurs et de la culture du peuple Ayua qui aura besoin du soutien de la municipalité et du conseil régional du Moronou. Les deux structures pour cette édition ont apporté un appui financier considérable pour la réussite de Bédiélou.